Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Laomi Aubourg, avocate collaboratrice à BDHH. Bienvenue à la toute dernière journée de formation en droits humains qu'organise le BDHH. BDHH a trouvé le support de l'ambassade de France en Haïti et de l'ambassade de Suisse en Haïti, ainsi que la fondation Connaissance et Liberté Focale. Cette session de formation, vous le savez bien, comptait 4 modules. Et le 4e et le dernier module portent sur les violences basées sur le genre. Et 5 thèmes sont abordés dans le dernier module. C'est le rôle de l'unité de lutte contre les crimes sexuels, la réponse légale des violences, la dimension psychologique, la dimension sociale et la place de la victime dans le procès pénal. Et c'est Maître Betty Casti qui va nous en parler. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour la deuxième partie de mon intervention. Alors, la dynamique, c'est quoi? Moi, je vais juste... Et, par exemple, quand on parle du rôle des acteurs de la chaîne pénale dans le traitement des dossiers de victimes de violences basées sur le genre ou de violences sexuelles, il y a le schéma classique de la procédure pénale. Quand on parle de victimes basées sur le genre de violences sexuelles, on fait face à une infraction, il y a une victime, il y a un agresseur, il y a un acte qui a été posé sous forme d'infraction pénale, qui est une agression sexuelle, et qui porte préjudice à quelqu'un, c'est la victime. Hey, je ne comprends pas. Nous allons beaucoup réveiller matin. Eh bien, d'accord. OK. Alors, quand on parle d'acteurs de la chaîne pénale, les acteurs de la chaîne pénale qui interviennent dans le traitement des dossiers, généralement, spécifiquement basés sur le genre violence sexuelle, doivent avoir une connaissance de leur rôle et des compétences appropriées. N'oubliez pas, j'étais partie de cette prémisse, prémisse tout au départ pour vous dire que c'est important. Quand un acteur, comme on est dans la chaîne pénale, on va parler des acteurs de la chaîne pénale, mais quand quelqu'un qui est responsable, qui est porteur de dossier, qui travaille sur un dossier, le domaine, n'oubliez pas comme on avait dit, si c'est une infraction, vous devez savoir les caractéristiques de l'infraction, la définition exacte de l'infraction, parce que le droit pénal, c'est un droit préétabli, tout est déjà écrit, c'est l'ordre public, c'est les autorités publiques qui agissent, c'est l'État qui subit à travers la victime, c'est l'État qui va agir pour sanctionner l'infraction qui a été commise. Alors, de ce fait, vous ne pouvez pas inventer, ni, ce n'est pas une question d'invention, ou du moins, comment dire ça, et on ne peut pas improviser. Ou pas qu'à improviser un droit pénal, c'est un droit strict, tout est déjà là, vous ne devez que suivre ce que la loi dit. Alors, si vous êtes un acteur de la chaîne pénale, vous devez connaître votre rôle, on va voir ça. Vous devez connaître aussi le régime juridique qui régule le domaine par rapport à l'infraction. Qu'est-ce que la loi pénale dit? Comment la procédure au niveau du code d'instruction criminelle établit la façon de traiter le dossier? Car pour être efficace, la prise en charge de tels dossiers requiert des compétences spécifiques, des qualités humaines et techniques, ainsi qu'une collaboration interdisciplinaire. N'oubliez pas que nous sommes dans un domaine très sensible, très important, qui mérite non seulement la compétence technique, vous pouvez être un avocat, comme je viens de parler des acteurs de la chaîne pénale, on va les voir ici. Vous pouvez avoir la compétence, et c'est important d'être compétent pour pouvoir bien agir. Mais maintenant, il vous faut les qualités humaines et techniques. Quand on parle de qualités humaines, on fait allusion à quoi exactement en matière de traitement et de traitement de dossiers, de cas de victimes de violences basées sur le genre? Quelles seraient, d'après vous, les qualités humaines requises à un intervenant dans la prise en charge de la victime de violences basées sur le genre? Bon, être professionnel, l'empathie, être sensible, être à l'écoute, être compréhensif, être prêt à aider et ne pas juger,
OK? Vous ne jugez pas la victime, vous l'écoutez, vous entendez, vous comprenez. Vous êtes patient, vous êtes prêt aussi à l'aider parce que même quand vous devez prendre tout le recul nécessaire pour travailler en professionnel, mais vous ne pouvez pas ne pas chercher à comprendre la personne qui a été victime dans sa dignité, dans son corps, dans son âme même, dans sa personne. La personne, n'oubliez pas, qui est victime de violences basées sur le genre, est, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est traumatisé, qui a besoin de la compréhension, de la compassion, de l'aide. Et quand on parle de la dimension interdisciplinaire, la collaboration interdisciplinaire, quelqu'un comme acteur judiciaire doit savoir comment accueillir la victime, comment orienter la victime, comment interagir avec les autres acteurs d'autres disciplines qui interviennent aussi dans le domaine, dans la prise en charge, de manière à bien structurer son dossier, sa défense, de manière à ce que la victime puisse, au bout du compte, quand on parle jusqu'à la fin au procès pénal, avoir un dossier bien, bien construit, bien bâti, bien argumenté et de manière à pouvoir permettre à la victime d'obtenir justice et de pouvoir se rétablir dans ses droits. Ça va? Voilà. Les acteurs de la chaîne pénale sont identifiés à l'article 9 du Code d'instruction criminelle. Ce sont les officiers de police judiciaire ou la plupart les policiers. Ça dépend de la zone. À Port-au-Prince, on a la DCPJ, c'est les officiers qui sont des officiers de la police judiciaire. Mais les policiers aussi, au niveau administratif, aussi peuvent intervenir s'il n'y a pas d'OPJ dans la zone. Et ils font office d'OPJ de par la fonction qu'ils remplissent. Et il y a le juge de paix, on va voir ça de manière en détail, chaque intervenant. Il y a le commissaire du gouvernement et ses substituts. On dit que c'est l'avocat né des victimes. Ce n'est pas seulement des victimes de violences basées sur le genre. Tout délit, infraction commise à l'encontre de la société, c'est l'avocat de la société, c'est le commissaire. Le juge d'instruction qui est là pour mener son instruction de manière à vraiment confronter les indices, les faits, et les témoignages de manière à les croiser et venir avec une décision pour inculper ou disculper l'agresseur ou bien la personne qu'on accuse, parce que c'est à partir de là que tout va être défini pour pouvoir poursuivre en justice et l'agresseur. Et puis le juge de siège, je n'ai pas mis le doyen, mais le juge de siège souvent désigné par le doyen pour entendre l'affaire, c'est aussi le doyen, les juges, parce que les juges sont désignés par le doyen pour entendre soit au correctionnel ou au criminel sans assistance de jury généralement, et les cas de violences basées sur le genre, de viol et particulièrement. Alors, sans entrer directement dans les détails par rapport aux acteurs, parce que c'est le rôle des acteurs, je vais en ce moment peut-être donner la parole, m'a demandé si bien et mettre là où c'est juge de paix. Est-ce que au cas dis-nous, est-ce qu'on habitué joindre cas monde qui victime de violence qui vient jeune. Violence sexuelle, violence basée sur le genre. Est-ce qu'on vient jeune, moi s'il te plaît. Merci. C'est maître, est-ce que vous pouvez présenter Payan Rachel, c'est maître Payan Rachel. Présentez-nous. OK, moi t'es avocat dans barreau de Port-au-Prince, moi abandonné avocature là en 2014 pour magistrature. Agression sexuelle là fort souvent me joine casa dans tribunal côté mien qui c'est section nord boli c'est pétion fort souvent les que me recevoir mesdames qui victimes de violence comme moi gain bureau moi qui fermé à clé moi quand recevoir dame pour contre lui face à face dans bureau sans m'a même besoin présence greffier. Est-ce qu'au cas dit nous pour qui sort prend mesure ça? Ça précaution ça. Ça fait moi précaution ça parce que quand dans tribunal là plein Juda et moun nan habité dans bloc là et moun qui subit agression sexuelle yo fort souvent soit dans Bastia ou bien dans Bel Air, La Saline, c'est plusieurs jeunes garçons qui passent sous yo
en seul coup. Donc, le conseil préféré recevoir maintenant face à face, nous parler, moi accueillir, moi aider, si que lui reconnaître victime là, gain flagrance, le ça moi obligé émettre mandat d'amener, moi délivrer lui et moi convoyer la police, al prend mon yo, chance pour mon ça, police en joigne yo et c'est yo le conseil obligé fait information préliminaire déférer mon yo. Pas devant qui de doigt qui sait pas qu'est. Mais dame là, l'heure que moi fin accueillir, recevoir, parler avec lui, moi accompagner, cela veut dire que m'ballon réquisition médicale, m'voyer le caille docteur avec youlette spéciale pour que docteur yon capable délivrer certificat le même jour pour me capable mettre dans information préliminaire là. L'heure que ça me pas perdre du temps avec moun qui victime violence sexuelle yo. Bon. Fa souvent tout m'gan investi tout. Se avait dit même dans ce cas docteur, yo prescrit le médicament, des antibiotiques, c'est nan poche pas même. Ça sont l'autre problème ça. Oui, on l'autre problème parce que moun nan kan pa gen moyen, moun nan kan vraiment vulnérable. On nèg ki te kan apèdèl, nèg ki kan apèdèl la ke doit lagé la 5 ti moun, 6 ti moun. Chaque nèg li pran ballon ti moun en plus. En ti moun, ouais moun nan vin gen 9, gen 10. Ka sa obligé prend en considération. Des fois tout kan bay moun nan pas sensibilité ou bay moun nan ti accompagnement personnel parce que gen temps en temps kan vin bon contre magistrat. Vi retourner m'a recevoir pi l'appel. Gade les marron kan marron dans tribunal là oui, bon. Gade là obligé pratiquer marronnage. Bon, ça c'est un aspect n'a pral prendre oui. Un parce que gon parti nan intervention hein. Côté nous pral parler. Alors nous nan procédure classique. Oui. Rôle classique yo, mais nous pral voir difficulté yo après, d'accord? Nous pral voir difficulté, nous pral voir réalité à même nan fonctionnement tribunal là qui ça qu'on fait que kayo qu'on pas qu'arriver à abouti, d'accord? Est-ce que nous gain des questions? Alors on aspect juge la prend là qui très important côté le parler de li prend mon nan le fait mais dedans pour le capable oui, auditionner, parce, discuter oui, avec, échanger avec etc. Ça relé nous connaît que Jean ça relé en droit. Ils font 8 clos et nous parlons de 8 clos, c'est pas seulement dans phase ça dans procédure au café non, même leur arrivé dans phase de jugement de part et susceptibilité car en jeu yo et puis victime n'a droit demander ça tout parce que le pas voulu à couvert que elle pas nous connaît audience pénale c'est des audiences publiques mais le fait que car son bail qui dû et délicat li yon mande pou yo fè 8 clos. Exactement parce que genyen ki kan di konsa ke si yal nan tribunal de paix, y ap tuye l. Bandi a kan di l sa. Et li konnen se nan katye. Le konsa li ap vin nan tribunal la san kachèt. OK. Le konsa oblije akèyi moun nan resevwa la pa diskrètman. Est-ce que gen des questions nou ka tout propose tout poser juge de paix la en attendant que m rive sou ti précision ki gen nan PowerPoint la. Qu'est-ce qui voulait poser des questions à juge de paix parce que c'est un exemple vivant, c'est un oui, acteur direct qui devant nous ça. Qui connaît l'histoire. Moi je pense que c'est important pour nous laisser des acteurs comme ça qui là nous profiter pour nous échanger avec eux. Si il y a un avocat qui besoin par rapport à Wall Pal dans le grand dossier comme ça les grandes questions pour juge de paix, c'est l'occasion parce que quand il y a des conflits tout dans oui, eh bien, ça fait ça, quand je suis un avocat qui est en bas de Port-au-Prince, le conseil est bâtonnier, je suis en train de faire Gaston. Moi, quand je suis bâtonnier, je dis bâtonnier, moi, j'ai deux, trois personnes qui sont en difficulté cas de viol. Le conseil est un avocat spécial qui peut accompagner. D'accord. Merci. Et magistrat, et concernant. Oui. Concernant suite yo par exemple ou bailler ou la faire test médical et puis ou appuyer li pour question information préliminaire etc. Mais en ce qui concerne d'autres institutions qui travaillent dans VBG, est-ce que vous référez VBG ça victime ça by institution qui responsable même pour faire appui psychologique yo? Oui parce que gain de le tout moi quand déférer au inspecteur chéri dans BPM parce que quand il y a Simone
qui victime tout qui sont l'autre cas qui très très délicat sensible petit monde qui orphelin pas gain maman pas gain papa qui conn caille soit en ma tante soit caille en famille il a fini propre monde cap vivre dans même caille avec abusé de yo dans nuit gagner dans tribunal pour faire tout gain travailleur social psychologie gain madame Jean-Baptiste gain l'autre madame kan rele yo discrètement le kon sa m kan fè yo traverser vinn jwenn mwen discrètement dans bureau PAM qui pour accompagner yo. Okay. Les fini nous faire un jeune avocat tout bagaille. Merci. Bon, en tout cas, témoignage et juge de PA, li explique pratiquement ça me saute dit là côté même le nous pour rentrer dans spécificité et orientation et par rapport à l'autre discipline connexe qui rentre dans traitement dossier VBG, li montre sensibilité pour question. Merci magistrat. Mais de rien. Les montre sensibilité pour question hein, et façon. Et puis il montre comment lui-même est sensible à la problématique là et comment il prend en charge le traitement dossier. N'a pas fonti avancer tout rapidement parce que comme nous pas des policiers, m'a fonti parler de c'est bon. Alors, m'a rapidement montré nous par rapport à ça nous t'ai écrit là. Alors, dans la question et officier de police judiciaire, le magistrat saute dit nous exactement ça la loi dit li gen pour le faire et le fait que le comprenne la problématique là, comment le sensible à lui-même et comment le prend en charge et dossier à la dimension pâle, dans la responsabilité pâle. N'a rapidement passé sous slide pour nous dire. Policiers, juges de paix, je viens de vous dire que ce sont des officiers de police judiciaire en charge de la phase de l'enquête préliminaire. Investis des pouvoirs publics, les officiers de police judiciaire peuvent mener des enquêtes préliminaires comme auxiliaires du commissaire du gouvernement. Je viens de vous parler, on va parler plus tard un petit peu du rôle du commissaire du gouvernement, mais eux, ils sont en dessous du commissaire et travaillent pour le commissaire parce qu'ils vont faire... ils vont transférer pour servir beau rapport préliminaire au commissaire pour les suites et nécessaires. Ils sont saisis par plainte, dénonciation ou toute voix. Un juge de paix, un policier qui tend un message, une victime qui parle dans la radio, ou bien un monde qui parle de bagaille, il a saisi de ça. L'un dit toute autre voix, la loi balle toute notre voix. Et il faut que je dise que je police là, tout pas oublier, il y a une police rurale. Dans le code d'instruction criminelle là, il y a des agents de police sociale tout, ça dépend de cas et qui côté le fait. Par exemple, il y a IBES qui est impliqué tout par rapport à Timoun qui est victime, et c'est des police, la police sociale qui, je ne veux dire, qui est remplacée par brigade de protection des mineurs, qui fait office aussi de officier de police judiciaire quand c'est des cas spécifiques par rapport aux enfants. D'accord? Voilà. Ils exigent de la victime un certificat médical pour prouver l'agression, d'accord, subie. La police enregistre la plainte de la victime, réunit les indices, recherche l'agresseur, procède à son audition, rédige son procès-verbal, interagit avec le juge de paix dans le délai légal pour les suites nécessaires. Il y a un bagage qui fait que, alors moi-même, j'ai un bagage qui était doué d'Ina. Tout ça qu'a fait dans le cadre de la loi doit être fait dans le cadre des garanties judiciaires. Ce n'est pas parce que les gens sont agresseurs, ils violent l'autre monde et puis on est arrêté, ils payent un bâton, ils cassent dans, ou trois, quatre ouïels, et puis qu'on y a, après ça, on va le présenter. Laisse ça fausser la procédure. Ou quand même perdu, victime n'a même pas arrivé à une justice par rapport à l'action préliminaire ça, qui a crasé ce dossier. Alors, on a tout profité pour nous dire, officiers de police judiciaire, particulièrement la police, dans les garanties judiciaires, on doit respecter le droit de l'intégrité physique de l'homme. Tout ça, la loi dit par rapport au droit de l'homme, on doit respecter pour capable avancer avec le dossier. Et puis, le juge de paix peut auditionner la victime. Et le juge de paix a souhaité expliquer nous ça. Il peut auditionner, ou elle, la victime, décerner un mandat, ce qu'elle avait dit, parce que la victime identifie, localise son agresseur, le juge de paix interagit avec la police pour délivrer un mandat d'amener pour aller chercher
l'agresseur parce qu'on on le localise. L'auditionner, le placer en garde à vue et puis dresser son procès verbal d'information préliminaire qu'il transmet au commissaire du gouvernement. Là, là c'est un peu très succinct, mais juge de paix aborde tout détail et tout, côté lui-même tout, les cabaye victime dans un papier pour l'alcaï docteur, pour l'allemand depuis ausculter, pour être capable de gagner un certificat médical, pour être capable, et s'il besoin de traitement tout, pour être capable de faire le traitement. OK? Alors, le commissaire du gouvernement, qu'est-ce qu'il dit, le commissaire là, Kavin Fontivalé, vous non? M'appelle commissaire, vini. C'est l'occasion pour nous mettre nous en valeur, pour nous mettre travail nous en valeur, pour nous mettre toutes difficultés que nous rencontrons dans prise en charge, là, parce que nous connaissons que bah, yo pas sain, bah, yo est délicat. Merci. On va présenter et puis on va dire nous, expérience où, est-ce qu'on recevra victime de violence basée sur le genre, violence sexuelle, et puis qui sort qu'on fait comme commissaire? Bonjour. Moi, c'est Pascal Amenaïd Raymond, substitut au parquet de Port-au-Prince. Moi, c'est nous tous nous connaissons. Bon, violence basée sur le genre, qu'a dit depuis 2017, depuis affectation dans le parquet, moi, dans la cellule VBG, c'est-à-dire violence basée sur le genre. Qu'a qui plus manqué dans toute expérience, moi, c'est deux, je vais partager avec nous rapidement. Automatiquement, c'est un papa qui a violé petite li depuis à l'âge de 7 ans. Et que, automatiquement, que m'étais au courant de dossier, hein, mais nous connaissons grand pile mauvaise pratique qui toujours fait en bas. Commissaire joue ça qui est dans 4, dit pas que l'autre monde pour le dossier, ça c'est magistrat Raymond. On est BPM, tout le bon travail que vous faites qui méritait comme si félicitations parce que vous avez vraiment creusé avant votre dossier. Qui ça m'a fait? M'entendez papa, m'entendez maman, vous avez arrêté tous les deux. Moi, premier, ça m'a fait, moi, m'entendez maman pour compte lui. Après, m'entendez papa pour compte lui. Mais papa, puisque son homme d'affaires, c'est un directeur d'école, un censeur, tout soit fait la magistrat, moi j'ai des avocats, et que ça prend rien, même des gens BDHH, nous avons quelques avocats tout, BDHH qui était là, plus OPC. En plus, l'on a tant de témoignages, demoiselle là, depuis à l'âge de 7 ans, papa était contre violel, Livine a 17 ans, de 7 ans à 17 ans. Mais nous connaissons la société, nous en tout, mesdames surtout, depuis ses papas, ses garçons, ses qui font bagay, depuis ses papas qui reprimandent des petits mounan, eh bien papa le reprimande. Alors, jeu psychologique, papa, te qu'on fait, il toujours minimiser petits mounan dans la famille, dire que il sort, il peut travailler à l'école, toujours proposer à battre lui, mais et pourtant, c'est juste minimiser l'enfant pour lui abuser. Ça, c'était ça qui est marqué. Et ça qui fait mal, automatiquement, vous recevez un dossier, vous faites tout ça que vous avez pour faire, vous supposez acheminer le dossier par devant le cabinet d'instruction. Mais comme mauvaise pratique, tout côté greffier, vous avez un dossier pour des mois. Mais un acteur que nous ne pouvons pas prendre en compte, mais qui est important dans la chaîne. Je suis étonné, son bon dossier consacré que je vois depuis le mois de juillet, qu'on est dans le mois de décembre, greffe pour que je vois le dossier ça aller. Alors, son mineur qui est victime tout de violence sexuelle, un mineur de 5 ans, à mon grand étonnement, de juillet à décembre. Et si avocat a entendu en action, nous parlons de ça, dit, c'est le commissaire qui a quitté le dossier. OK, c'est le premier cas. Deuxième cas, je vais partager avec nous. Automatiquement, je suis dans le bureau, j'ai un message qui dit, moi, magistrat, nous apprenons que les gens qui violent les gens, non seulement veulent les battre, nous avons besoin son voisinage qui ba un monde numéro me relé automatiquement me quitté bureau m'aller avec le commissaire gouvernement yo di pas gain gaz pas gain si pas gain ça me relé BPM me dit nous est-ce que nous disponible yo dit oui yo dit yo gon machine mais il pas gain frein me dit nous pour aller automatiquement le me relé monde qui relé me li bambi mettez son piste là j'en parle avec elle me relé connais ou pas gain droit ba monde
pression et puis me dit monsieur tout pas bal coup parce que là depuis le collaborer avec nous l'a mené nous côté pour jeune monde là effectivement nous connaissons un bagage qui les créé de nos jours qui à la mode alors c'est l'âme d'al joindre dame là et puis nous déguiser son opération que m'pas jamais oublier que nous fait le jour même n'a arrêté dame là madame là c'est en française. Elle est française, même dit française de nationalité haïtienne quand même. Et puis les femmes qu'on est magistrat, je suis française et que me dit peu importe madame, surtout en français, est-ce que tu as besoin de faire un mineur ça. Lui dit peu importe. Et c'est ce dossier malheureusement que jusqu'à présent les greffiers n'ont pas envoyé par devant le cabinet. J'attends vos questions. Au moins une question rapide là. Greffier a pas envoyé, qui sont fait administrativement d'abord, ensuite légalement. Il y a deux aspects dans la question, ça passe très bien. Administrativement, automatiquement aller auprès du chef là ou dire voilà qu'est-ce qui se passe. Chef là dit ah mais ça en bas bon etc. Maintenant tu vas auprès du commissaire. Le commissaire en chef dit ah c'est au magistrat, c'est au comprendre. À quel recours? Tu n'as aucun recours. Maintenant l'avocat a dit magistrat c'est à moi. Mais le greffier, greffier a dit vu la situation maintenant au parquet, il ne peut pas descendre. Ça veut dire la justice pas marcher là. Ça veut dire au monde qui est victime, dossier pas avancer. Bon, merci beaucoup. D'accord. Alors, on avance. Vous venez d'entendre madame qui est substitut du commissaire du gouvernement. Et vous savez que le chef de la police judiciaire, c'est le commissaire du gouvernement. Il est responsable de la poursuite des crimes et délits commis dans sa juridiction. Alors, on va entrer dans l'irrégularité parce que nous allons voir les blocages, les causes de blocage dans la justice qui fait dossier pas abouti ou bien retardé. En cas de flagrance pour les délits, il peut, par citation directe, engager la procédure devant le tribunal correctionnel. Bon, comme c'est un délit, généralement, nous connaissons la procédure là pas différente. C'est qualification infraction pour le qui juridiction pour le tendre. D'accord? Et en cas de crime, si des charges évidentes sont retenues contre le prévenu, bon, là, ça, est-ce que ils sont on prévenu, pas on prévenu encore? Ils viennent nous inculper parce que le cabinet d'instruction a fini de traiter ce dossier. Hein? OK? Nous parlons ça dans le rôle du juge d'instruction. Le commissaire du gouvernement saisit le cabinet d'instruction par réquisitoire des faits armés en vue d'enquête approfondie sur les faits. OK? Et ça veut dire, parquet à lui-même, il vient prendre dossier en main. C'est un avocat, parquet à, il pas oublier le. L'on a parlé de rôle avocat de la partie civile. Côté nous, dit comment l'ILA, à côté avocat principal, qui c'est ministère public là, l'on va arriver en phase de jugement. Côté l'ILA, pour lui, corré commissaire, non, tout argument là-bas pour lui culpabiliser, acculer agresseur là, jusqu'à ce que, avec toute feuille, toute preuve, tout indice qui corroborait. Et pour montrer que Zach là, comment le cause, comment il était fait et comment victime non, victime vraiment, nous avons le statut de victime et comment la loi tout est percevoir. Alors, le juge d'instruction, personne n'est juge d'instruction ici? Ok, elle n'est pas encore arrivée. Alors, peut-être que si on a du temps après que cette juge arrive, elle pourra nous dire de par son vécu ou bien ses vécus, comment elle travaille sur ces dossiers. Alors, le juge d'instruction instruit le dossier et a un délai de 2 mois pour l'instruction. Au terme de l'instruction, il transmet le dossier au commissaire du gouvernement pour son réquisitoire définitif via une ordonnance de soi communiquée. Ça, c'est des termes juridiques, côté, c'est toute interaction en termes de communication judiciaire faite entre eux, parties à l'intérieur du tribunal. Là. Dans un délai de 5 jours, le parquet communique son réquisitoire définitif au juge d'instruction. Celui-ci dispose de 30 jours pour produire. Alors, nous parlons, ouais, comment délai en droit pénal, son bagage qui prédéfinit tout, qui établit. Et que nous parlons, ouais, l'homme parle pas là avec nous de problèmes, yo. Et puis, le commissaire la saute dit non, là. Nous parlons, ouais, en termes de délai, l'aile d'Olivo en dossier depuis janvier, depuis juillet, et puis je dis à nous, dans décembre. Dossier à Poco, même à le jeune juge d'instruction. Alors, ce que c'est dans le même tribunal, dans le même cas, là, oui. Son saut, non, pièce à long, pièce, oui. Bon, en tout cas. OK? Ça veut dire, même là, je pense qu'il y a de mauvaise foi.
parce que nous avons même structure, c'est vrai. On monde pas qu'à l'exposer corps en bas, j'en bas là et là. Mais nous ta cherchons façon pour communication en fait quand même mes amis. Nous ta cherchons façon pour le fait, mais nous pas chercher du tout, nous juste camper sous code red. Situation Jean Lia là, pas qu'à bouger, rien pas qu'à faire, pas exposer et puis rien pas fait. Ou victime net et ça fait nous t'a parlé de victime ça est doublement victime, triplement, quatre pas connait. Combien fois aux victimes encore et le un dossier traîner comme ça. OK? Et ça fait tout gon parti m'té toujours aimé développer dans le m'a fait sujet ça, c'est la haute critique de la victime. Tout ça c'est péripétie. Victime n'a pas subi le fin victime non? Zak là qu'on y a pour le balancer entre deux officiers de police judiciaire yo plus des médecins légistes ou bien médecins normaux qui vont sculpter des fois le perd il va connait qui est pour le avant qui est pour le après noter ouais toute difficulté par rapport à l'accueil l'orientation et les conseils qu'on y a le récit vient prendre en charge par un avocat qui a assisté mais qui a limite les tout. Parce que l'avocat lui-même, ce n'est pas lui-même qui autorité qui a pouvoir pour agir en matière pénale. Et puis nous parlons de la personne qui a vivre encore le dossier arrêté, pendier. Dans le cadre d'une ordonnance de renvoi, l'inculpé est traduit par devant le tribunal criminel pour être jugé. Alors, tout à l'heure, nous avons noué que parquet a gain droit organiser l'ensemble avec doyen et fait des sessions correctionnelles. OK, hein? Oui, avec la loi du 6 mai. Yeah. Et puis qu'on y a maintenant le c'est un crime, il pas fait aussi rapidement, mais il faut passer par cabinet d'instruction et noué c'est juge d'instruction qui gain un acte pour le remettre qui relève un acte de renvoi. OK, côté la voyer mon nom à le juger pour Zakli Kozia. Alors, nous t'ai parlé de juge de siège, bon comme nous pas gain juge de siège là, n'a pas avancé sur rôle juge de siège là, pas oublier nous t'ai dit le juge de siège est désigné par le doyen pour aller entendre l'affaire, d'accord? Ça veut dire le doyen aussi a une place importante dans la chaîne parce que c'est lui qui prend dans le délai le juge désigné pour qui désigne le juge pour aller entendre l'affaire. Alors, l'étape du jugement est cruciale pour la victime pour qu'elle puisse commencer à se reconstruire. En général, la publicité de l'audience est admise, mais elle peut être remplacée par un huis clos à la demande de la victime. On n'a même pas besoin d'en parler, on a fait déjà l'expérience que le huis clos peut intervenir à quel que soit le moment de la durée. Bon, OK? Le juge du siège, lors du procès, a pour rôle d'auditionner les parties, les témoins, faire intervenir des experts pour élucider certains faits et peut poser même des actes d'instruction. Par exemple, il y a des indices, il y a des preuves que il méritait plus enquête sur eux, lui ordonné. Enquête d'évidence pour soutenir sa décision. Parce que, pas oublier, la décision judiciaire, c'est une décision qui doit argumenter, il y a tout un. On dimension donc formalisme juridique pour respecter et parce que quand même attaque un jugement tout s'il mal formulé s'il mal présenté il y a des exigences à aller il y a les règles de l'art pour faire et ça fait en pile fois qu'il y a des monde qui ont perdu un procès dans cadre ça tout et de ça c'est pas faute monde qui victime non et malheureusement des fois tout vous cédo bah il passe comme ça victime encore revictime. OK? Alors, selon les attentes des parties, l'une ou l'autre peut interjeter appel de la décision. Bon, nous voyons que la décision parit là, ou qu'a fait recours par rapport à la décision prise ou pas satisfait. Nous avons fait un petit là. OK? Il y a une question là. Nous avons le magistrat la parole. Oui. Mais par un jour,
Il y a 20 ans, 25 ans après ça, et pour faire quelque chose ça, moi je joins ni mon qui fait du yo, qui mange à faire, ni juge qui compte, des fois juge impliqué, tout le monde ça, la sortie ça. On a fait médiation pénale, on a fait médiation, on a fait arrangement, et puis nous conjoint tous des victimes, alors c'est des adultes qui disent ça t'est arrangé yo, et que yo. Même Mabzou, il y a plus de 20 ans, je jeune en deux fois. 20 ans de cela, mais c'était toujours dans le sud-est, Jacques Mel, mais c'était dans le cas mineur vraiment. Et puis, tu as fait de bœuf, qui te bail, corps, vous comprenez? Et puis, je jeune commissaire là qui dit lui-même, il dit mon Dieu, nous te prend ça, nous te prend bœuf là, il dit oui. Et nous prend bœuf, nous, ça va garder moi-même, ma monsieur après dans la prison. Moi-même, déjà, nous commissaire qui te prend courage, il y a deux mains qui continuent le dossier. Parce que c'est dans le cadre de justice des mineurs, nous avons travaillé ça, nous avons fait enquête. Deuxième cas, où je une partie qui est d'accord. Par exemple, nous avons un adulte qui dit bon, alors c'est un jeune adulte, parent lui, tu es d'accord, lui-même tout. Par contre, qui relation avec un petit jeune homme, tu es violé là. Lui dit lui-même, il est satisfait de l'arrangement que tu fait là, etc. Est-ce que le fait que l'arrangement fait là, ça peut disculper mon nom de Zach Kulkozia? Hein? Est-ce que je vais le disculper? Il pas disculper. Je vais le dire ça qui est dope, comme nous passons phase policière, là, nous pas jeunes policiers pour parler. Je vais mettre une enquête, je vais dans le commissariat. Au contraire, pour cas d'enquête, là, ça était très bon. Moi, parce que je jeune, une dame qui était bien en sang, qui vient porter plainte pour Maril, qui était battue. Et puis, Kounia, pas oublier, coup blessure volontaire. Vous bon? Ça lié, c'est pour affaire de madame à monsieur, c'est une affaire de violence conjugale. Et violence là, ils sont victimes liées. Quand il y a dame non, fait arrêter madame Marie, moi Marie a tout dans prison, tout bagay, parce que moi elle garde à vue. Je ne dois pas laver, parce que bat gueule, dois pas laver. Même pas la madame non comme l'idée dehors, parce que dans mon ministère conditions féminines. Mais dans deux mêmes tournées, quand il y a policier dit madame, nous prenons mon dit mon ministère. Victime non, vin crier la faire libérer monsieur parce que ma famille mari l'imposer le vivre, dit il fait arrêter monsieur. D'autant plus que hier il pas fait manger parce que et monsieur a pas là, il dit ba comme manger. Si mon Dieu a mourir grand gou nan men. Kounya nan ki sont mette nan ki sont là les policiers ou là qui kembe monsieur ça dans garde à vue. C'est même tribulation, sont affaire de précarité, pauvreté, manque d'éducation, manque de moyens, tout ça ont tout contribué. Ignorance, irresponsabilité, tout ça est tombé dans le panier. Ça veut dire que les gens qui engagent dans un dossier comme ça, il faut maîtriser tout paramètre ça pour qu'on ait une position à prendre pour arriver à traiter le dossier juste dans le bout. Et le dossier ça, là, nous pas traité arriver juste dans le bout, pas aucun exemple qui tracé, récidiviste qui doit faire parce que le monsieur pense qu'il a combien de bœufs marronnés. Il y a combien de bœufs qui a distribué, combien de cabrites, combien de l'argent dans la banque, combien de bœufs qui a baillé. Et puis, il pense qu'ils sont au bout, il a toujours continué à violer l'autre monde ou bien battre l'autre monde. Ça veut dire, moi-même, penser au monde qui a un rôle central d'autorité publique dans le procès pénal, dans la procédure pénale, il n'a pas le droit de jouer
sous lésiné, sous décision pour le prendre par rapport à ça. Et puis tout, moi-même, oui. Merci. Ça, ok. Nous avons une intervention là. Merci. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, deux mon seul commentaire, mais par rapport avec. Et dernière intervention, yo, ça vient de mon lot. Alors, le victime, nan, li renonce avec action civile. Donc, il prend encore bois, arrangement qui fait. Ça a toujours fait. Ça va déranger. Au contraire, tu as pris la réparation. Puis devant. Il commence pour un parti. Il renonce, il est là devant un notaire. Il signe. Il signe un acte d'instrument. Il renonce avec action civile. Mais action publique là, il était debout. Il y a une procédure qui pas respectée parce que les gens n'ont pas à faire au civil. Pas de okay. problème. Ok, c'est un problème économique qui fait ça. Bon, ok, nous pas violer la loi dans rien là. Pas parce que partie ça, c'est pour le faire quand même. Sauf que Gagnon a été signé, le procès va être constitué. Partie civile encore. Mais a toujours gagné. Même ça dépend de tout, ça évaluation de dommages là. Exactement. Ou bien on va dire qu'il n'y a pas de dommages qui subit. Il n'y a pas de réévaluer dommages là. Oui, tout ça va possible. Juste non bon deuxième commentaire maintenant alors il peut avoir place li dans la mesure où et docteur Joseph est intervenu mercredi donc malheureusement il est empêché pas capable de venir ça vient bail et occasion avec commentaire ça et non route ou bien l'entrée qui gagne généralement dans procédure et médecin qu'on cause li tout dans l'hôpital yo gédo mon qui victime là l'hôpital deux fois on n'a pas obligé à commissaire avant ou bien juge avant. L'homme est victime pour mes côtés pour aller. Donc, logiquement, c'est de l'hôpital pour aller. Maintenant, l'arrivée de l'hôpital là, l'homme quitte l'hôpital là lui-même, des fois, soit avocat ou bien lui-même personnellement, il a demandé soit un certificat de santé pour le bail côté de travail, pour montrer que le dégoût empêche pas de faire un travail, soit un certificat médical pour le faction dans le tribunal. Dans la majorité des cas, l'hôpital a trop de temps pour bail certificat ça. Il y a des formulaires sur le publics avec le ministère des conditions féminines. Non, des fois, non seulement il y a trop de temps pour bail, des fois, il n'y a pas de bail du tout. Il y a des juges qui ont pas autorisation pour bail. Ça, c'est un problème fondamental. Oui, mais c'est ça que fait moi dire non. La route victime de la victime, est ballotée entre tout acteur ça, dans la phase préliminaire là, parce que des fois, il n'y a pas même qu'une caisse pour louer avant, il y a dit la loi ça, Oui. L'hôpital général comprend. L'hôpital général comprend mort le bail li. Ça pire. Pensez l'hôpital général pile là. Bail li. Moi rappeler une question ça m'était posée l'année dernière en formation avec le docteur Joseph dans Uramel. Il dit tout médecin qui licencié, qui en service capable d'émettre un certificat médical. Oui, il était libéralisé le comme ça parce que c'était un secret d'état question faire certificat médical là dans année 90 à partir de 90. Mais il y a une société civile particulièrement il y a Uramel qui travaille en pile sous ça qui vient permettre que gagne une prise de conscience et vient un protocole d'accord entre ministère santé publique, ministère de la justice, ministère conditions féminines qui vient ouvrir bah là. D'accord. Donc, souvent ça me passe qu'on pile travail pour sensibiliser médecins ou ça. Yeah, d'accord. Problème salaire que li pose, c'est le que gen grève en dans l'hôpital général parce que pendant des mois en bas pas de travail. Si c'est moment grève là ou pas joindre ni vite. Mais moi même fois souvent depuis que moi ba réquisition médicale you jou pas passé, me joindre certificat médical. Bon, OK, OK chance. OK, merci. On va avancer. Ou bien chance. OK, n'a pas avancé. Pas oublier faut avancer avec présentation. Ah, OK, on met poser question là. Hein, gon l'autre? Vas-y. Mais
Mais juste avant, on continue. Je suis en préoccupation. C'est que les substituts commissaires yo recevoir VBG, surtout VBG victime de viol, bon, yo toujours prend plaisir et mettre mandat, même si yo pas dans cas de flagrance. Mais par contre, qui remarque nous fait dans BDHH, c'est que substitut commissaire ça yo contient à ce que faut yo auditionner présumé pour yo joindre ni pour yo auditionner. Et yo kon fait des mois voire années, yo pas jamais joindre présumé agresseur là pour yo auditionner. Et dossier a toujours été dans main. Oui, mais pas de prescription, délai de prescription yo défini en loi pénale. Yo gen droit continuer à elle. Et puis yo gen droit continuer à chercher le toujours. Oui, mais en attendant, dossier en amène, est-ce que c'est indispensable, me poser question à magistrat, pour dossier toujours en amène, sans qu'il va déférer dans le cabinet d'instruction et que l'attente faut lui auditionner présumé agresseur là avant de déférer dossier. Est-ce que c'est indispensable? C'est un flagrant. De... Bon, moi-même, m'apprêle sa mauvaise pratique. Raison que m'apprêle sa mauvaise pratique, parce que ou gen cabinet d'instruction qui gen 3 mois. Pas oublier automatiquement. Dossier avin 2 mois. Oui, 2 mois non. Il peut ajouter ça dépend de le dossier avin. Ça dépend de qui j'en bail là-bas. Bon bientôt. Commissaire gouvernement, il gen 5 jours, il gon délai. Automatiquement, il pas joindre, il voye par un réquisitoire d'informer, mandé cabinet informé pour lui. Maintenant, après dossier a gen pour tourner. By commissaire gouvernement, il y a une ordonnance pour le voyer en réquisitoire. Si le commissaire gouvernement pas satisfait de l'instruction, il demande un réquisitoire supplétif by juge là. Ça veut dire, il demande au juge là instruit toujours. Mais ça qu'on passe, magistrat, yo, désolé si quelqu'un là, yo qu'on fâche leur un réquisitoire supplétif by. Et des fois, juge d'instruction c'est dans bureau lichita uniquement. Alors que il y a une commission rogatoire que le cabinet même elle va pas déplacer puis qu'a mandé un sur pour lui on dit enquête yo tout yo mal fait mais c'est mauvaise pratique qui gagne dans paquet a oui gagne collègue excusez oui gagne collègue qui a fait entendre non en matière de violence basée sur le genre non seulement gagne collègue qui a fait entendre gagne collègue qui a kembé dossier on dit non nombre de temps chaque fois mon vini au faire au bail on dit frère désolé on nous parle bail yo bail yo non lè, non c'est l'occasion okay? C'est l'occasion désolé mais il pas gagne droit pour kembé dossier juge instruction qui a mandé autant de fois prorogation de délai pour ca investiguer pour l'instruire. OK m'a pral nous déjà nous tellement dans société gagne problème même là nous voulons rester dans la procédure normale, classique, pour nous discuter un sujet, nous avons toujours entre problème parce que des fois, problème y a plus que. Y a plus même que. Y a plus y a complexe tout. On fait un petit regard critique sur le système judiciaire haïtien par rapport au traitement des cas de VBG. Nous sommes dans le système, nous sommes acteurs du système GAGIO. Et je ne pas tellement rentrer dans le détail. Par exemple, je suis allé au tribunal là pour montrer nous dans le procès pénal comment victime nan, nous connaissons victime nan, c'est juste son rôle de témoin qu'il a fait parce que il doit juste interview, juste questionner le tout s'il veut, s'il mente, s'il d'accord. Mais tout fait est déjà établi, toute procédure là déjà établi, jugement fait. Victime nan il doit pas choisir là tout pour pas montrer figure. Il doit gagner 8 clocs fait, nous se parler de ça, mais nous te dit c'est tout une dernière phase là, nous pas tel et pas lui qui plus important dans ces procédures là et puis qui genre traiter victime là pendant toute procédure là qui genre dossier là traiter qui genre affaire là avancer. Alors, un rappel de l'ampleur de la situation. Le fait que me sont parler nous de expérience il y a plus de 20 ans que me t'ai fait et journée aujourd'hui a même l'homme prend expérience qui fait 2008 2012 2013, m'pas prendre expérience récent parce que réalité a arrêté même, d'accord? Problème yo pas résoudre parce que système judiciaire là même quand on parle de réforme de la de la justice pénale etc. Il y a des efforts faits mais résultat il manquait gain impact manquait changer système là pour nous sentir que nous avons un système qui travaille pour nous pour bien-être population pour établir nous dans droit nous le nous gain un préjudice que nous subit. Alors il y a un rapport qui était des rapports qui était sorti en 2018 nous c'est CIDH
HD, au commissariat des droits de l'homme, PNUD, et puis assistance légale bas au devoir au prince, dans sa MINUSTA, qui était sorti des rapports côté étape évalué système judiciaire. Là, bon rapport PNUD était sorti tout qui guibaye fait yo de manière très évidente côté montre bah yo de manière palpable yo fait mal. Yo dit, il a été rapporté que sur 62 plaintes déposées dans 4 commissariats de police, alors son échantillon était prêt pour montrer ampleur situation. Sur 62 plaintes déposées dans 4 commissariats de police de la zone métropolitaine pour viol, entre juin et août 2010, nous après tremblement de terre, côté te gagnon, on tête chargée dans mi temps quand yo. Ou rencontrer mon yo, ou attendre yo. C'est les mon yo tout est perdu jusqu'à présent. Parce que mon yo là gè des bras bandi, ou pas connait les autres nul n'est censé ni yo là. Loi son blague. Mon yo pas connait rien dans rien, yo victime yo là. Yo pas connait ça pour faire, pas connait qui pied pour mettre devant, yo pas jamais gè mon qui prend en charge que des yo etc. Bon, gè pas pas dit ça, gè des ONG qui remplit fonction ça dans place l'état qui gè en pile mérite, qui fait en pile travail, mais n'est pas suffisant par rapport à l'ampleur situation. Alors, qu'en est-il? Sur les 62 plaintes déposées dans ces 4 commissariats, finalement, il y a eu 45 transmis au parquet. Par exemple, nous sommes procédure là, procédure préliminaire là, côté OPJO agi. Et puis, il y a voyé dans le commissariat. 25 ont été enregistrés au greffe. Qu'on y a la diminué, il y a ce qu'on appelle la déperdition des cas. Gen 25 qui enregistré dans greffe là. Gen 11 qui transféré dans cabinet d'instruction. Après 6 enquêtes ça au fin fait, ça passe qu'on y a. Un seul cas a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi. Par exemple, et magistrat saute parler non, l'aime dit enquête là par exemple, et juge d'instruction a doit bailler une commission rogatoire pour demander la police aider lui joindre plus d'informations. Li doit communiquer tout à Pakea pour le modèle approfondir dossier à Poli parce que il besoin plus d'informations. OK, lui même tout comme juge d'instruction il doit engager le tout parce que un juge d'instruction pas fait pour le citer dans bureau seulement pour la faire tant des parties non il a les moyens bon il va moyen non mais non il a autorité pour l'agir. Bon, bien entendu, bon question de France, son question de ça la loi dit dans pays nous, d'accord. Alors, cause et blocage dans le traitement des cas de violence basée sur le genre. Les rapports ont révélé, pas oublier MT saute prend 3 rapports pour m'expliquer nous, c'est sous base ça on prend donner yo. Mauvaise méthode de traitement des dossiers. En pile fois dossiers mal traités. OK? Pour gagner erreur en dans yo fait que yo pas arrivé à abouti. Lacune dans la chaîne pénale. Nous saute ouais depuis dans greffe parquet ça passé. Pas besoin ba nous 10 explications sur ça. Enquête faussée par manque de moyens, surtout en matière de médecine légale. En pile fois pas gain médecin légiste, quoi nous gain 2 jusqu'à présent, on est seul qui t'ai gain. Et en pile fois tout gon période tout l'état, qu'on pile était volontaire pour faire des bagages, l'état t'ai doué bon, ça t'est réglé, même pas connait. Problème ça a toujours été parce que leur grande population comme ça avec ampleur crime ça yo. Généralement, crime en général, crime sexuel en particulier, pour ne pas gagner un médecin légiste assez qui pour ausculter et casser. Grand nombre de cas laissés en souffrance au tribunal par négligence, irresponsabilité. Ça ne saute pas les alas en négligence liée, c'est vrai. Gain problème, insécurité, tribunal pas tellement travail. Mais transmettre un dossier, non, même building avec un cabinet d'instruction. Même si son rendez-vous, je me dis, l'autre côté, pour me regarder, je bon dossier quand même, oui, faut comprendre. Il y a un même comme monde. Et ça fait nous te dire, à part de la compétence technique, il y a aussi la dimension humaine de la personne qui compte aussi. Manque de personnel en général est spécifiquement formé sur la problématique. Pas oublier dans le premier exposé, je me fais déjà, je parlé de comment c'est important. Bon, c'est au moins type de rencontre que nous faisons pour nous faire échanger ça. C'est important
pour nous faire, parce que c'est eux-mêmes qui permettent plus de prise de conscience. Après, mon acteur qui l'a, déjà nous jeunes des acteurs qui sont très bien informés et qui sont bien formés tout dans cette question, qui connaissent comment pour eux traiter le dossier. Magistrat, nous avons toujours cause à blocage. Négligence des acteurs, nous sommes négligence là. Absence d'assistance légale aux femmes victimes, démunies. Même si nous avons une loi finalement sur l'aide légale, sur l'assistance légale qui finit voter, loi ça, ils sont bons lois, ils gagnent toutes mesures qu'ils prennent pour capable faire prise en charge légale aux monde qui besoin d'aide. Mais malheureusement, structure de mise en place jusqu'à présent, c'est une plus grosse lacune nous fait justice l'en faible. Loi n'est pas appliquée parce que institutionnalisation, nous besoin pour cadre institutionnel là, pas jamais arriver à mettre en place pour l'appliquer. Juge de paix mettre dans la conciliation des parties, pratique illégale répandue de règlement à l'amiable. Moi-même, moi fais un pile intervention sur dossier ça déjà avec juge de paix, gain compte ba témoignage, gain qu'expliquer circonstances, mais pas gain explication possible pour justifier des bails comme ça. Et puis en matière pénale, pas de job pour faire et médiation parce que nous-mêmes nous pas même qu'on bon législation sur bails ça pour faire médiation pénale. C'est pas que le pas bon non. Il y a des systèmes judiciaires qui appliquent. Mais ou même ou pas de provision légale pour faire. Ou pas qu'on ait dans l'illégalité, ou mettez tête ou en gros médiateur pénal ou à régler des bails de violence sexuelle, violence basée sur le genre. Ce n'est pas possible. Corruption généralisée. La justice est prise en otage. Nous connaissons ça déjà. On tire greffier, bloquant un dossier 6 mois. Si ce n'est pas en prise d'otage, ça y est. Ça y est là. C'est des gens comme ça qui intervenent dans ce système, non? Qui fait que en pile monde bay vague yo pa dans tribunal yo pa entré dans affaire là, comprenez? Ignorance de la procédure pour les victimes. Victime yo tellement qu'on wè bay la longue yo lagué ça. Yo peur parce que victime dans le fait que le connaît la justice impliquée tout, yo capable vinn agresser famille moun nan. Yo capable vinn traumatiser ou encore. OK? Manque de confiance dans le système judiciaire, persistance des stéréotypes. Par exemple, un monde qui, par rapport à ça, nous sommes dit là, par rapport à ça, nous sommes tendus là, un monde qui a confiance, un monde qui est victime, il dit, moi, je ne vais pas aller dans le tribunal. Il y a un dit, je vais faire revanche personnelle. Je ne vais pas aller dans le tribunal parce que je ne vais pas faire système de confiance. Est-ce que nous avons un système, c'est lui pour protéger nous, et lui pour défendre nous, et puis nous dit, nous ne vais pas faire confiance? Et puis tout, c'est pas, est-ce que le dit tout, go faire confiance? Ça veut dire, c'est tout un paquet de questions qui méritent réponse. Ce sont pas quatre problèmes qui méritent des solutions parce que nous pas capables dans société de droit pour c'est comme ça n'a réfléchi et puis n'a discuté de problèmes. OK, stéréotypes yo même n'ont pas oublié. Nous sommes parlé de poids stéréotypes qui fait que un monde qui victime de viol ou après ils sont monde il y a danger doit être sous lui cette petite fille ça qui était victime dans cette elle vous comprenez un monde comme ça il y a des monde qui connaît changer zone. C'est ça qui fait mon fille une femme victime violence lui toujours li vin pas bien en pôle, en col, en l'esprit. Financièrement, tout gen des problèmes, nous te pose des problèmes socio-économiques qui vin poser. Parce que moun nan oblige, s'il te gontie activité économique dans une zone ou bien te gontie travail, par peur de stéréotypes, de stigmatisation, li quitte zone. Nan. Ça veut dire son moun ki al recommencer ou l'autre côté. Nous, un problème, yo pas piti. Yo pas piti. Cause blocage. Yo te di nous son ban an paquet son sélection fait. Les éléments de blocage que vous évoquez doivent être adressés et résolus dans le cadre d'un réel programme pluridisciplinaire de prise en charge des victimes de violences. Merci. C'est maintenant le moment des débats généraux. De toutes mes expériences dans le traitement de ces dossiers, c'est le devoir de diligence auquel chaque acteur c'est le devoir de diligence qui devrait gouverner le traitement de chaque dossier de violence basée sur le genre. La violence pourrait être cernée sur plusieurs dimensions. Et quand on écoute la victime, et puis la particularité aussi, c'est que parfois on se retrouve en face de victimes qui ne sont pas qui sont vulnérables. Nous autres acteurs qui auraient ou du moins qui ont à faire une intervention, on a un devoir de diligence dans le sens qu'il faut être diligent et prendre en compte tous les aspects
tous les aspects de la violence et puis il ne faut pas banaliser. Le plus grand obstacle, c'est la banalisation par rapport à la victime. La personne peut se sentir victime une fois de plus à chaque fois qu'un acteur concerné, un acteur qui a un niveau d'intervention dans le dossier et se trouve à banaliser les faits. Et ça, c'est le plus grand obstacle. Et puis, le deuxième obstacle, bon, encore qui se retrouve dans la banalisation, c'est quand on n'appréhende pas on n'appréhende pas correctement la notion de violence de genre. Et c'est une notion qui est jusqu'à présent mal intégrée par une majeure partie de la population, que ce soit les acteurs judiciaires même qui doivent intervenir ou le grand lot de la population. C'est une notion qui est mal intégrée même par certaines victimes. Parfois, c'est à l'acteur, par exemple, un avocat qui est contacté pour faire un suivi, de faire un certain counseling avec la victime pour lui faire prendre conscience du niveau de victimisation, du niveau de violence dont la personne est victime. Et puis la violence, par exemple, l'expérience que je pourrais partager qui est un peu hors du commun, que je ne rencontre pas facilement, c'est le cas d'une femme exploitée par un ex-conjoint. Soit parce qu'il n'était pas marié, il n'était pas dans un régime formel de droit, et puis le conjoint la profite pour l'exploiter, pour dépouiller la personne de ses biens, ou du moins des biens communs qu'ils ont pu faire ensemble, et même que cette personne-là ait le comportement de quelqu'un qui n'avait aucune redevance vis-à-vis de la femme, aucune redevance et aucune assistance morale, aucune redevance. Il s'en va comme il était venu, comme il veut, et il ne se sent pas obligé de rendre compte ni de faire des suivis judiciaires pour les biens qui ont été faits en commun. Donc, ça, c'est un cas vraiment atypique que j'avais rencontré. Pour les autres cas, c'est beaucoup plus facile généralement de faire les suivis. Mais ce cas-là, c'est un cas atypique. Et puis, il y a aussi le problème de la constitution des dossiers. Parfois, on néglige les données personnelles, les coordonnées de la victime, et parfois, on ne peut pas faire le suivi correctement parce qu'on n'arrive pas à retracer la victime. C'est un problème récurrent auquel on est confronté. C'est le béaba, hein? Oui. C'est la porte d'entrée, c'est le dossier avec les références, le nom, justement, tout ça, etc., qu'il faut bien prendre. Justement, parfois au niveau des commissariats, ou du moins l'instabilité sociale même, ne permet pas de retracer et la victime, soit parce que la personne a déménagé pour éviter que l'enfant, comme le plus souvent on compte ça dans les dossiers de mineurs victimes de violences de genre ou de violences sexuelles, et il déménage pour que l'enfant ne soit pas discriminé, ne subit pas d'atteinte en rapport avec le fait. Donc parfois on n'arrive pas à retracer ces personnes, ou bien les parents refusent de porter plainte pour ne pas scandaliser les mineurs. Ça, c'est des problèmes et récurrents qu'on rencontre. C'est pourquoi moi, le plus souvent, si je dois faire une intervention, j'interpelle surtout les acteurs à être diligents, à prendre chaque détail en considération, l'analyser et voir et peser le pour et le contre dans le traitement du dossier. Ça va être l'heure de la pause. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Alors, en fait, moi, remarque pas maintenant pour aller autour de questions et certificat médical. Et dans le cas de viol, victime de viol, et puis il est allé à l'hôpital pour un certificat médical. Par rapport avec toute difficulté qui gagne, qui ça qui dit effectivement vrai, alors, mon qui victime nan dit qui viole là, certificat médical là, capable dit effectivement c'est mon ça qui viole. Alors que là, automatiquement arrivé tribunal avec certificat médical
pas aucun moyen pour ta dire et soit ADN à travers. Non, mais certes, il n'a pas dit, même monde qui volait mon nom, il dit. Non, justement. Jean Louet. Justement, non. C'est présenté, le présenté. Non. Physionome. Non, tout à l'heure. Gon viol qui fait. Mais est-ce qu'effectivement, moun, yo acculé, hein? Est-ce que c'est lui-même, effectivement, non, mais qui fait viol? C'est la police judiciaire qu'on y a avec. Et police criminelle, qui peut mener investigation criminelle, pour chercher indices, pour chercher ADN, pour chercher preuves, tout ça. Yo. Justement. Ça sont l'autre phase dans le dossier. Non, on ne comprend pas. Nous ne pas mélanger. Écoute. Mais le certificat médical, juste après une auscultation de la victime, lui présenter, lui ouais que Mounsa a eu des agressions qu'elle subit de part type de marque ouais, sous lui. Moi, d'accord là. Blessure qu'elle a gagnée, qui j'ai eu lui présenter. Si il y a présence permet tout l'abdil, mais c'est pas en question de moi d'accord avec vous, gain des chirures, gain tout ça qui montrer que gain on viol si qui fait violence, si gain acte sexuel avec violence justement. Mais qu'on y a problème non, est-ce que moun qui accuse Jean-Baptiste Ladia, est-ce que c'est effectivement c'est moun ça qui fait? On pour un cas par exemple, une fille qui violée et puis elle a fait certificat médical à l'hôpital pour certificat médical, mais dans l'intervalle li fait toilette, li débarrasse comme ça. Est-ce que y a moyen là, à partir de ça, pour retracer, pour vérifier effectivement moun sa qui a arrêté ya, ou bien moun yo pour te plaindre contre lui? Il a fait toilette, mais maintenant, il prend plus que 48 heures retenu dans mon âge. Deuxième bagay là, Makyo, pourquoi a disparaître dans 48 heures? Troisième bagay là, et moun nan victime nan, yo pral kobo, fait yo pou yo capable, ouais, pas oublier, pas un seul aspect seulement la question. Gen confrontation indicio, gen gens ben audition yo, interrogatoire yo, gen un paquet de bon élément content dans non content dans qui pral entrer en ligne de compte, qui pral fort camper agresseur là lui-même. Gen le bagarre là t'est fait là, est-ce que mon entité était, est-ce que pas qui bolté, est-ce que gen témoin qui a intervenu, bon paquet de facteurs entrer en ligne de compte qui pour faire ou camper dossier accusation pour connait si mon c'est pas mon. Nous avons un paquet d'erreurs judiciaires qui ont fait comme ça. Côté, des gens voulaient accuser un autre, ils font prendre prison pour grand messie, parce que c'est lui-même qui voulait accuser. Mais en pile fois, ils ont démasqué ça, parce que les victimes et agresseurs, ce n'est pas lui, probablement c'est ton autre. Oui, mais normalement, moi-même, préoccupation, pas non. C'est le fait qu'au cabinet d'instruction, juge a noté toutes les déclarations faites par. Et que ce soit la victime, du moins l'agresseur. Donc, nous avons une situation comme ça, et que moi-même, je n'ai pas assisté au magistrat, moi, il y a un bout de souffle, il n'y a pas qui ça l'obligé de mettre, parce que normalement, raison, ce n'est pas lui-même qui peut faire l'instruction finale. Il est là pour l'instruire le dossier. Après, il peut confier le dossier avec un autre monde. Maintenant, ou même avocat qui défend. Un dossier où il y a un agresseur là sous responsabilité et que mineur là lui fait toute déclaration ça. Est-ce que ça c'est pour un dossier qui est complexe? Bon, moi-même, moi, c'est la maman qui dit que sa fille a été violée. Oui. Mais sauf que nous-mêmes comme acteurs judiciaires, on face un petit monde de 13 ans qui pas supposé non type de mouvement ça au cladan. Ça sont l'autre cas d'infraction ça. Lui-même, lui qui façon parle, lui présente question. Bon, le prétendu agresseur qui façon parle tout, lui présente question. C'est différents éléments ça yo qui parle bon. Et puis ou même tout, faut mener enquête de proximité autour pour qu'a comprendre situation puis bien, pour qu'a connait qui ça va prendre comme décision. Mais donc le mineur n'a pas de consentement. Le mineur n'a pas de consentement. Un mineur n'a pas de consentement, il pas capable d'accepter relation sexuelle. Parce que les remènes, etc., sont un monde majeur. Ça veut dire, ou bien, ou même acteur judiciaire, ou bien, vous qualifiez une infraction qui vient de jeune homme, pour vous aider des victimes. Ou bien, qualifiez les faits. Ce n'est pas que vous changez la nature, you know? Mais vous venez devant, vous avez l'autre pas oublié. Nous avons parlé de droit pénal, comme un droit strict qui préétabli. Quand il y a là, le fait à venir devant, on va expliquer mon jusqu'à ce qu'on entende avec lui, on dit en matière d'infraction, mais ça l'a pillé, mais ça lié, parce que le pas qu'à ça. Bon, quand il y a c'est après, bah, on est. Pas oublier, il y a la dimension sociale aussi de la justice. Il y a tout, et comme tu dit, analyse des faits qui fait que nous, je n'arrive pas à rejoindre une décision qui sortit. Oui. C'est délicat.
c'est délicat. Alors. On a pris une dernière intervention. Alors. Ah, magistrat, on va faire un commentaire, ok. Alors, intervention, on va aller dans le sens intervention, mettre là. Parce que, mettre là, c'est clair dans l'intervention que je voulais faire. C'est limite dossier viol que l'APC a montré. Parce que généralement, dans l'expérience nous-mêmes avocats, la majorité des gens qui sont condamnés pour viol dans le tribunal sont seules pièces à conviction condamnées. C'est le certificat médical. Là. Alors que le certificat médical n'a pas établi rapport cause à effet. Ça veut dire qui est réellement qui commet infraction. Dans la majorité. Non, il va dire ça. Non, il va dire ça. Li pa ka di gen viol, li pa menm ka di viol, li pa ka di viol. Li pa ka di gen viol. Li wè gen fòs. S'il vous plaît, pa pale nou tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pa pale tout en même temps et kite l fin pale. Oui. Certificat médical la pa ka di gen viol, li pa ka kalifye fè. D'accord, li constate gen lésion, gen pénétration et cetera. Mais pénétration ça, certificat pas dit qui est-ce qui fait, qui est-ce qui route. Il pas dit non plus si pas de consentement. C'est pas wall. Maintenant problème nous même comme avocat, généralement ça nous constater c'est seulement pièce ça qui considère comme pièce à conviction dans dossier qui condamne moun nan pas gagné encore. Ça veut dire gros travail qui pas fait. C'est la difficulté pour nous même qui n'acteur qui nous qui c'est acteur dans système dans tout qui a constaté ça systématiquement. Comment un avocat qu'a fait qu'elle défend le monde qui est accusé de viol sur le simple sur la simple présentation de certificat médical l'équité au condamné? Non, m'a parlé de m'a parlé dans le sens moi dans stricto sensu avant moi non moi pas c'est parce que gain l'autre évidence pas gain monde qui nous pas fou nous non système qui a fait certificat médical là seulement non. Gen témoin, gen croisement des faits, gen l'autre facteur qui rentre en ligne de compte qui peut montrer et puis gen doit agresseur à tout, li gen doit avouer. Li gen doit avouer et puis pas oublier, il y a fait confrontation de manière individuelle au temps de chaque moun yo, juge d'instruction pardon par ordonnance client. C'est pas une décision liée. Moi-même, un avocat pas capable de dire là, moi-même, c'est avocat tout, pas capable de dire, sous c'est ça seulement qui va le faire, m'va mettre mon nom dedans. Bon, mais en tout cas, il n'est pas suffisant, et m'va penser la décision de justice là, pour le baser sur ça seulement. Magistrat, là, au cas. Moi-même. Bon, on a fait un petit temps de magistrat pour nous finir. Merci. Certificat médical, là, c'est une pièce qui est importante en matière de violence en général. Très, très, très importante. Si on regarde l'article 254 et code pénal, là, il dit que si violence, là, un monde qui subit violence, si certificat médical là, fait état de plus de 20 jours, mais qui peine la prend. Si les pipiti, mais qui l'autre peine la prend. OK, donc ça montre que en matière de violence, un certificat médical est nécessaire. Mais il n'est pas suffisant pour capable établir un viol. Certificat médical là, la établi gagner des lésions, tu gagner un contact entre vagin et soit un pénis ou bon bagage. Objet quelconque de pénétration. Mais il n'est pas capable établir que X violé Y. Au tribunal, c'est pas seulement certificat qui a gagné. Parce que les faits pénaux ici, c'est yo capable et prouver yo par témoignage surtout. Ça nous connaît que et nous même avocats nous très forts dans ça. C'est l'oralité des débats qui prévaut. C'est l'oralité des débats qui prévaut. Et pourtant, nous besoin débat ça fait nous sentir que nous besoin des preuves scientifiques pour nous clairement établir identité. Agresseur là. Le ça, ni moi, ni vous, et moi-même qui juge, ou même qui avocat, nous sommes sûrs de nous juger que c'est lui-même qui est réellement auteur de
et infraction viol. Justement, le viol, c'est une infraction, moi-même, moi pense que qui m'a dit un pile débat. Il y a un texte qui a été pris en 2005 qui criminalise. C'est bien, parce que c'est une infraction contre la personne la plus déshumanisante. Ah, et l'homme et homicide li tout fini à mon net mon n'a pas porté la honte dans société a. Mais après viol là mon n'a appelé à vivre yeah. Et pour la garder tout mon danger après ça le fin subir et nous connaît que le sexe son bagage qui tabou dans pays non mais pendant et texte là criminaliser le viol gen côté dans pays an, qui pas connaît bagage ça moi même moi c'est formatrice marché faire formation dans tout raccoin pays a. Moi rivon côté moi joine délégué ville là avait dit on personne avisé li dit madame nous té porté yon correspondance pour t'inviter moun vinn nan formation là nous té gen deux trois collègues avec moi li dit madame ça k'a passé là ouais ti moun sa ou là des jeunes filles de 12 13 14 ça gen 15 ans yo gen tan gen yon na deux petites. Il dit moi ça yo c'est tant y a tant yo bon pour y aller placer depuis moun nan capable occuper fiyan monsieur yo pas nan rete l'école OK depuis nan 18 20 22 ans yo gen tan commencé à monter en chambre caille et puis qui est-ce qui vient vivre avec yo un petit moun 14 ans 13 ans et puis depuis entrer nan caille là c'est fait petite. Là, kounya, sociologiquement parlant, est-ce que nous ka toujours kembe le viol 10, 15 pépettes? Parce que l'enam dit le million n'a pas de consentement. Mais justement, on va se mettre pour aller prendre la beaucoup comprendre même. Non. Nous parlons viol là du tout. C'est un lot qu'elle débat et qu'après les là détournement mineur, etc. Parce non. Que monsieur a tout une opinion que les maintenant, il faut que j'en parle de viol. Non, mais tout rapport sauf que sexuel. Par rapport à minorité, ya, nous sommes capables de dire. On mineur avec par rapport à minorité, ya, bon, ça sont pas spécifiques. Li déjà défini, non, nous bon, déjà pour dire tout le monde mineur, là, moi-même, moi, gagne on l'autre approche de lui. Parce que là, nous allons dans l'article 300, 301, yo, et si nous avons code là, nous avons vérifié. Parce que de tout le monde mineur, là, il mande des actions. Bon, en général, l'infraction, il mande des actions. OK? C'est une action que l'agresseur fait, comme si infracteur, là. OK? Quel que soit le type d'infraction, généralement, infraction par commission, il gagne une action, mon en fait. OK? Donc, dans de tout le monde mineur, là, en sachant qu'on est sur un criminel, faut ou déplacer si mon côté l'ité sous autorité, yon moun. Ou prendre l'étape vivre là dans caille dans là ou en diosel ou commencer par la velle ou jouer dans tête li ou commencer faire sexe avec oui, ou ça bon li déplacer ou prendre ou al mettre le jeune kafou fait ou al mettre le kafou. OK donc là nous ka parler de détournement parce que nous connaît que yo dit en matière d'infraction faut que li clairement défini yeah. OK parce que sinon est dans 278 279, 280, il n'y a pas parlé de détournement. Il parlé de relations sexuelles non consenties, réalisées avec violence, pression, et menace, etc. Non, l'on prend l'article, ça n'a pas parlé de l'âge, ou par rapport à ça, n'a pas dit. Non, et dans 278, non, il parlé de l'âge. Et 278, là, il dit si mon enfant est adulte, il prend 10 ans. Et s'il gagne plus que 15 ans, s'il gagne 15 ans, à partir de 15 ans, mon s'il gagne plus petit que 15 ans, l'a gagné 15 ans. En 280, on dit s'il gagne autorité sur ti moun, l'a prend perpète. Vous comprenez? Donc c'est ça que fait au dit viol, c'est 10, 15 perpète. Donc ça veut dire que moi-même moi t'arrête mes réflexions au fait beaucoup plus poussées sur cause violent parce que gain côté dans une zone ça mon n'a pas connait relation sexuelle entre adulte et mineur c'est viol lié bon, au regard de la loi c'est viol lié il pas gain l'autre non bon, OK ça c'est délégué dans sens société a. Société a mon yo la gay la sexualité tourne pen. On est pas quotidien en pile monde. OK. Là on a là ça. C'est l'école. Pour c'est dans place ça je vois aller mais fait petit monde qui capable mettre au kembe.
c'est parce que la société n'a pas pris responsabilité. Autorité au tout côté, oui, en termes de protection de l'enfance, côté, oui. Ça veut dire problème, yo. Et détourner problème, yo. Oui. Mais problème, yo, là, yo, ça, yo, y a, c'est, nous ne pouvons pas chercher explication pour yo. Nous ne pouvons pas chercher explication pour yo. Mais qu'est-ce qui, quand deuxième bagage avant de passer le micro, il y a une autre zone, côté, c'est un jeune homme ou une jeune fille, ça n'est pas forcément mineur. Li ont jeune fille, li remel, mais jeune fille n'a pas gagné, pas porté vers lui-même. Li gen l'autre moun il te ka remen, mais jeune homme nan c'est jeune fille ça li vle. Eh bien, li suiv habitude jeune fille ça. Li suiv li et puis un beau jour, li bap li met main sou li, li couché. Et jeune fille ça te vierge. Jeune fille a rentré avec honte li pa parler parce que konnen c'est bay ki tabou, li pa di rien. Li rete la caill li, la souffri nan cœur, li pa ka partager sa maman, li pa ka partager ça à aucun monde. Et puis c'est regarder ouais maman papa jeune homme là tout jeune homme là débarquer caille jeune fille là je dis oui compagnon tel nous besoin parce que on a dit est-ce qu'il fait moi même bavle dans bail comme ça et mais sa petite garçon m'expliquait mais qui rivait la petite fille donc moi même grand monde responsable moi vini porter tête moi vini pour Mario et deux messieurs d'amio on allait au relais jeune fille là et elle vient non. Oui papa, t'es en bas. So où qu'on jeune homme ça? Oui. Ça que t'es passé avec. Et tel jour m'dal tel côté, oui, ça que passé dit. Bon pas jamais dit nous ça, n'était paix. Et dit ben bon, regarde figure. On va qu'on s'arrive. Ouais, beaucoup n'a un bon monsieur, hein. Ça c'est monde pour faire vie. Hein? Regarde monde de famille. Oui. Mec sérieux, honnête, il fin fait bagaille là. Là elle dit parent bon garder tao. Hein, c'est lui encore à blâmer. Mais elle dit parent ça ou même on lave nous pas dit non ça. Et mes compères tel moi monsieur en pile compère. Et mais n'a prend rendez-vous mariage la fête tel là. Bon. Mes amis, me connais causé au long. Oui, moi-même, ouais, wap di sa, m'te rencontre une dame dans l'interview. Elle a 20 ans de mariage, elle a commencé comme ça, mais elle n'est pas jamais heureuse dans la ville. Et puis, elle n'est pas jamais qui prend l'initiative de nos relations sexuelles dans le couple. Elle n'est pas jamais mandé. C'est nègre toujours. Elle a dit, m'a besoin de nous, tout traumatisme psychologique. Mon nom vient dépendant probablement économique de mon nom. C'est une catastrophe. Bon, sur ces mots, je vous dis merci. J'aurais bien aimé rester davantage avec vous, mais je sais qu'il y a d'autres activités qui doivent suivre. Et puis, il faut prendre aussi une pause. Ça fait une bonne de plus que deux heures que nous sommes en train d'échanger. J'espère qu'une autre fois, on pourra se retrouver peut-être sur d'autres aspects du problème. C'est un problème crucial qui mérite vraiment qu'on discute beaucoup, qu'on fasse plus de vulgarisation, de sensibilisation autour, que les acteurs vraiment prennent conscience de la nécessité de se responsabiliser et par rapport aux tâches qui les incombent et dans la prise en charge et le traitement, dans la prise en charge de la victime et le traitement des dossiers. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Merci à vous, Maître Betty Castille. Nous allons observer une pause de 30 minutes.